Alors la chaire Innovation BOPA, c'est un lieu dans lequel on travaille sur la problématique de la sécurité des soins en bloc opératoire. C'est une approche à la fois humaine et technologique. On essaye de travailler sur la problématique de la résilience pour comprendre si on peut apprendre de ces erreurs au bloc opératoire, avec les interactions entre les chirurgiens, les anesthésistes et les infirmiers de bloc opératoire. Donc ça, c'est le côté très humain. Et la réponse technologique, c'est l'augmentation du personnel du bloc opératoire par la technologie, augmentation par la vue, c'est-à-dire la vision par ordinateur, par le toucher, avec des nouveaux types de robots, par la lumière, avec certaines lumières qui permettent de voir ce que l'œil humain ne voit pas, et évidemment par l'intégration de toutes les données du bloc opératoire pour être capable de mieux comprendre quels sont les liens entre ce qui se passe pendant l'opération et ce qui se passe après l'opération. En fait, force est de constater qu'aujourd'hui, les gens vivent de plus en plus longtemps, on a de plus en plus de traitements, et que ces traitements coûtent de plus en plus cher. Donc il faut être capable de trouver des méthodes pour découvrir des maladies avant qu'elles deviennent très chères à traiter. Ça veut dire qu'il faut être capable d'imaginer des méthodes pour découvrir les groupes de patients, identifier les groupes de patients chez lesquels on va faire des explorations parce qu'on sait que dans cette population-là, il y a un risque de développer des maladies. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être capable de pouvoir faire de l'analyse. Et cette analyse, elle va passer par de l'analyse génétique. Et donc je pense que la médecine du futur, eh bien, elle va passer par de l'analyse de cohortes de malades, de cohortes même de sujets sains, qui sont des gens qui ne sont pas malades, mais chez lesquels on aura des informations concernant le profil génétique, de manière à pouvoir identifier dans ces populations-là quelles sont les populations à risque. Ça passe par justement la recherche, et ça passe aussi par des données qui sont des données cliniques, des données biologiques et peut-être des données génétiques.